Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez pas ce que j'ai derrière le dos, mais j'ai une petite perruche ondulée et ça a mal. Et regardez, juste au-dessus du bec, alors ne me touche pas parce que j'ai plein de teintures. Juste au-dessus du bec, on voit que c'est vert bleu. Et comme ça. Et comme ça, on sait que on peut reconnaître la différence du mâle et de la femelle. Et la femelle, en fait, elle a juste au-dessus du bec, donc sur les narines. Et ben en fait c'est marron. Voilà, donc c'est pour ça. Et là, on est en train de faire la l'aménagement pour mon petit loulou et peut-être pour ses bébés qu'on veut avoir, parce qu'on peut avoir 3 fois dans l'année 6 jeunes avec une femelle, donc c'est vraiment beaucoup. 6 jeunes en même temps, c'est vraiment beaucoup. En plus, 3 fois dans l'année, c'est vraiment beaucoup en fait. Donc on espère d'avoir pas trop de bébés. J'espère d'en avoir déjà 3. Pas 6 quand même, parce que 6 à élever, c'est un peu difficile. Donc voilà, alors on est en train de préparer. Donc j'ai fait l'avant-lit. Regardez. Alors, il y a des tâches sur le nid là. Alors c'est un peu dramatique. Donc on va faire, je pense, la peinture aussi ici, parce que il y a déjà des gouttes, donc on va vérifier ça, on va mettre tout en place. Je fais des gros bisous à tous mes copains et mes copines, et surtout à Chloé aussi, celle qui veut avoir Zozo. Je fais des gros bisous pour dire au revoir à mes copains et mes copines et à Chloé. Mamie et tout ça. Mouah.